Saint-Martin est connu pour avoir partagé son manteau en deux à Amiens. Donc c'est le lieu du partage. Et puis ensuite, Saint-Martin, qui était soldat romain, a décidé de changer de vie. Et il a rejoint en fait Hilaire, l'évêque de Poitiers. Et il a souhaité en fait fonder la première abbaye d'Occident, qui est donc à Ligugé. Et ensuite, les Tourangeaux ont enlevé en fait Saint-Martin de son abbaye de Ligugé pour le ramener à Tours et pour en faire le quatrième évêque de Tours. Saint-Martin aujourd'hui est à Tours, mais fort heureusement, on a un grand chemin qui s'appelle le chemin de Ligugé, qui est un peu le chemin de la réconciliation. Guy de Lusignan a compté pour la ville de Lusignan, bien sûr. Il y en a eu d'autres familles de comtes de Lusignan. Mais celui-ci, il a eu la particularité d'avoir été faire les croisades avec Saint-Louis. Et donc, il s'est retrouvé roi de Jérusalem et d'Arménie, qui était la petite Cilicie du côté de domaine turc. Et ensuite, l'histoire a fait que Richard Cœur de Lion s'est retrouvé ancien en croisade à Jérusalem, et donc il y a eu un échange entre Jérusalem et Chypre, et donc les rois de Lusignan se sont retrouvés rois de Chypre pendant 350 ans. Alors il faut un petit bordereau comme ça pour aller dans les Alpes de Jaffier. Lorsqu'on est tourmenté dans une forêt profonde, la vie peut changer au détour d'un sentier. Donc c'est 8 euros la nuit. Raymonda en sait quelque chose. Oui. Ce petit seigneur vient de tuer son oncle à la chasse par accident. La crainte d'un châtiment divin le tenaille. Méditant près d'une fontaine, il voit soudain s'avancer une femme au charme étrange, suivie de ses deux sœurs. De taxes de séjour. C'est son nom, est venu lui faire une surprenante proposition. Aujourd'hui encore, les femmes de Lusignan connaissent la formule par cœur. Si tu consens à m'épouser sans jamais me voir le samedi, tu seras riche et puissant. Riche et puissant, Raymondin le devient après ses noces en respectant la curieuse clause du samedi. Le domaine s'agrandit à chaque fois qu'il s'absente. Mais comment sa femme fait-elle pour bâtir aussi rapidement? En quelques nuits, le château de Lusignan, l'église, à Vouvant les remparts et la tour où elle aime tant se réfugier. Tout surgit par enchantement. Elle a avec elle, pour l'aider, des ouvriers, nombreux, mais dont on ne connaît pas l'origine. Tiré du néant, dit la légende. C'est sûr, la talentueuse Mélusine cache quelque chose. Au juste, pourquoi s'isole-t-elle dans sa tour une fois par semaine? Tant de secrets finissent par intriguer Raymondin. Et quand il regarde les enfants que sa belle épouse lui a donnés, sa suspicion s'accroît. C'est qu'ils ont tous une tare. L'un est cyclope. Une immense oreille défigure l'autre. Quant à Geoffroy, c'est une dent de sanglier qui pousse dans sa bouche. Suivre sa femme dans la tour, l'idée revient comme une obsession. Et s'il rompait le pacte pour satisfaire sa curiosité, peut-être a-t-elle rendez-vous avec quelqu'un. Raymondin a trop écouté son propre frère accuser Mélusine de s'offrir au diable. À présent, il doit savoir. Quand le frère se retire, Raymondin jette un œil fiévreux dans la chambre. Et ce qu'il découvre le pétrifie. Mélusine, seule, lave tranquillement son corps d'écailles. Maudite serpente, s'écrie alors le mari affolé. Aussitôt que Mélusine est surprise dans son bain, elle pousse des hurlements de fée et elle s'envole de cette tour en proférant des menaces sur toutes les forteresses qu'elle avait construites. Au revoir Lusignan, pays de la fée Mélusine et de Raymondin. On va savoir, est-ce que les légendes sont vraies? Hop, merci la mairie de Chenay. Chenay est un pas en Belgique, c'est pas Chenay sur je sais pas où. C'est le petit village de Chenay dans la Vienne. Pour ce gîte, attends, on va frapper. Boulanger, tu es dedans ?
Pas de réponse, il doit pas être là. Ça, c'est de la France. Et moi, je vois pas des immigrés cachés dans les champs, là. Je vois pas d'invasion des musulmans. Hein, donc, faut modérer un peu aussi vos propos. Vous voulez faire peur aux gens dans la télé. Hein. Moi, je vois juste le chemin de Saint-Jacques, là derrière, et qui va jusque là-bas. Et moi, c'est ce que je fais. Et voilà, donc, je pense qu'il faut un peu modérer et puis relativiser ce que vous dites. Et parler peut-être aussi plutôt de la désertification, des magasins qui ferment, de la société. Les villages aussi, c'est la société. C'est pas que là où on fait les lois, la société. La société, c'est aussi les petits villages, c'est les petits commerçants qui n'arrivent plus à vivre et qui sont obligés de fermer boutique. Je dis ça pas pour revendiquer quelque chose, moi je me permettrai pas. Mais je dis ça parce que c'est ce que j'ai observé là, dans tous les villages où je suis passé, la désertification rurale, c'est affolant. Je dis ça parce que j'ai pas pu prendre un petit café depuis 3 jours. Voilà, on est à Mel. Ce soir, au lavoir, titre de mémoire. Allez, tu viens là. On va se coucher ici. Alors, je sais pas quel est l'animal qui a été boire, hein, qui a mis ses pattes dans l'eau. Quel est ce petit animal qui nous a un peu sali le plancher? Bon, c'est pas tout ça. On va s'organiser. Voilà. Ce soir, on mange des huîtres. J'ai trouvé des huîtres. C'est dimanche, j'ai pas pu aller faire les courses nulle part, tout était fermé, que de la campagne, tout du long. Chenet jusqu'au pont où je suis, là je dors dans un lavoir, hein, donc. Chenet jusqu'ici, j'en ai pour 24 km, et demain on est 25. Donc j'étais sûr de ne pas trouver à manger. J'ai trouvé ça. Voilà, c'est cuit. Comme mon oncle nous préfère ici, là je l'ai cuit aussi, et c'est vrai que je l'ai préparé. Bon, c'est Pepper. Mais c'est les croquettes. Ouais. Bon. Qui, comme il ça fait un gros voyage, ou comme c'est celui-là qui conduit la toison. Et puis est retourné, vivre entre ses parents le reste. Et j'ai rencontré Thomas. Vous voyez, je tiens pas la caméra. Salut Thomas, disons que c'est le genre. Sans souvenir, et ben, comme ça, quand je regarde les mémoires, je me souviendrai de ton visage, parce que je ne peux pas te voir avec la lumière. Et puis, un pèlerinage, c'est pas que sauvage, et c'est pas auto-centré. Lui me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux, que voilà. Des palais romains. Ce que je veux dire. Thomas, tu veux dire quelque chose? Plus que le marbre dur me plaît là. Bah, je sais pas trop quoi dire, je suis content de faire cette rencontre spontanée, de. Nourrir un peu de cette liberté que tu t'autorises, et puis ça fait plaisir, et puis c'est. Et puis voilà, c'est nourrissant toujours ces rencontres. Même si c'est éphémère. Voilà. Même si c'est éphémère, c'est riche et c'est un beau partage. Ouais. Bah, merci, Tom.
Yes, merci à Et toi. bienvenue dans les pèlerinages de Ben Egypte. Yes.